Ils sont où les pensées? Ah. Petit effet. Je me suis légèrement ruinée. Je peux tout ce que j'ai fait. Ah putain, fait mal. Voilà, ça m'étonne pas. J'étais jusqu'au bout là. Et je sais. Ah, tu t'as rangé. Ouais. Ah, de faire ça maintenant, ça suffit. Mais c'est Lucie et Greg, on vous attend au foyer. Ouais. C'est assez urgent. Okay. Merci beaucoup. Il faut que j'aille juste toilette avant, je suis désolé, vraiment. Et il n'y a pas de problème. Vas-y déjà, toi, Luce, comme ça il y en aura déjà un. 2 secondes. T'as pas le coton? Si. Tu peux le. Ah, il y en a là, il y en a. Regarde là. Oh, là. Là. Oui. Mon père, il avait été avec sa boue, je te jure. Je te jure, c'est un truc de... Quoi? Mon père, je l'ai fumé avec sa boue. Ouais. Bah, c'est... Pour lui et pour moi, ça... C'est un peu comme pour moi et très jeune. C'est exactement ça. Père. Moi, je me parlais avec mon père hier, c'est pareil. C'est ça, c'est exactement ça. T'en as parlé avec qui? Mon père. C'est ton père. Oui. Tu vois? Oui. Est-ce que vous pouvez mettre au micro, s'il vous plaît? Oui. Il se soigne. Et on... Vas-y, Luce. Franchement, vas-y. Je sais ce qu'on a? Non. Je sais pas. Souvenir, souvenir. Tu vois pas ce que ça peut être? Du tout. Bah écoute. Tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Ouais. Merci. Attends, je crois que j'aime mal. Ah, j'aurais bien dormi un peu. Oh, coucou. Je suis tellement contente de te voir ici. Ton CD, il est là, hein, Greg. Oui, merci. Pour écouter des trucs. Ah. Et je pense que t'en aies un pour écouter les chansons du Prince. Je l'ai. Tu l'as? Ouais, là-bas. Joli. Tout va bien? Ouais. Bien sûr. Tout va toujours bien. Alors, c'est quoi ça? Souvenir, souvenir. Alors, dis-nous. En fait, je venais vous voir, ouais. Pas très longtemps, c'était pour faire une forme de débrief, mais pas un débrief de Prime. D'accord. Un débrief d'autre chose. Un débrief d'autre chose. Oups. Je sens que ça va nous plaire. Ouais, je sens que ça va nous plaire. C'est quoi cette histoire-là? Un débrief d'autre chose. C'est très bien. Qu'est-ce qui est? Ouais, je le sens mal, là. Un débrief d'autre chose. Non. Chut, c'est toi. Oh. Chut. Attends. When I was young. Oh yeah. Vous bébé. Yeah. Ah, c'était déjà un beau gosse, moi je dis. Oh yeah. Sacré boubouille. On l'a encore à la revoir. Attends, t'es stop, où? Chut, stop. T'es où là? T'es où? À ton avis, vas-y. En haut, en haut. Je fais... Attends. Oh, vas-y, reviens. Ah oui, 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 oui. Ça c'est... Je me souviens encore de cette maîtresse, Emma, elle s'appelle. Oh. T'es donc en haut, le deuxième en partant d'à droite. À côté de la maîtresse là-bas. Le deuxième en partant d'à droite en haut. Avec la maîtresse. Oh là là. Il y a plein d'amis que j'ai. Ils ont fait un montage là. C'est... Alors là. Ah, ça y est, on commence à se connaître ouais, avec ton petit nez là. Oh.
elle avait la coupe au vol. La coupe au vol. Ça, c'est, bon, je devais avoir quoi, 11 ans oh. La coupe au bol. Et dire que je trouvais ça super bien avant. Qu'est-ce que t'en penses? Tu le trouves comment comme ça? Horrible. Ah, oh, mais horrible. J'avais la mâchoire avancée. Comme ça en plus. C'est pas bon. Bah, maintenant. Non, puis je n'ai pas coiffé. Là. C'est bon, t'es coiffé, ça y est. Là, trouvé ça fait. Change. Oh, ma cousine. Bien sûr, je suis toujours avec mon écharpe de l'œil à gauche. Regarde. Ah, déjà, oui. À l'époque. Ouais. T'as juste un truc, c'est qui les gens? Alors. Attends, je vais faire un. Ça c'est. Bouge pas. Ouais. Ça c'est les cousines. Elodie. Ouais. Là je me rappelle plus du tout parce que ça c'est pas. C'est des cousines lointaines, ça. Ça c'est ma petite sœur. Ouais. Et Leslie? Ça c'est la. Ma petite cousine aussi, la sœur de. Bah, d'Elodie. Ça j'arrive pas à distinguer. J'arrive pas à distinguer qui c'est. Oui, c'est sa sœur. C'est aussi une cousine lointaine. Et en bas à gauche, c'est ta sœur, c'est ça? Ouais, en bas à gauche, c'est ma sœur, puis ça, c'est moi avec... Noël, et déjà, t'as commencé. À déjà, à fond. 2 ans ouais. Et demi. Ouais. Tu joues au foot? Oh, déjà, ouais. T'as l'air à voir, ça. Ça, c'était première... Ah, si, c'est ma première coupe. De danse. De danse? Avec ma cavalière de l'époque, oh. Pauline. T'avais gagné une coupe de danse? Bah, j'en ai gagné plusieurs, monsieur Mathieu. Je ne savais pas. Ah, c'est fou, moi ou quoi? Non, non, j'avais. Bah, à 12 ans, j'ai été champion de France de rock. De rock sauté. D'accord, excuse-moi. Ouais. 12 ans, non. 14, 13, 14, enfin vers 13, 14 ans, ouais. Bref. D'accord. C'était ma cavalière, Pauline. Et c'était quoi comme prix, ça? Là, ça devait être notre première compète en rock piétiné. En rock quoi? En rock piétiné. Enfin, voilà, comme ça s'appelle, le rock basique quoi. Avec les pattes quoi. D'accord. Donc, et là, on devait. C'est, à mon avis, ça devait être notre première coupe, notre premier podium. Je sais pas si c'est, on était premier. Je crois qu'on était premier là. Ah, ça c'est. Ça, ils ont fait ah, une je suis là. Basket. Yes. Avec mon fameux t-shirt parce qu'il fallait pas que j'attrape froid. Donc, j'ai passé le à mettre un t-shirt. Ah ouais. Voilà. Non, on avait un autre, non, on a non, plein non, d'autres. Regarde, il y en a trois. Ouais, mais bon. Vraiment, on ne mettait pas de t-shirt, mais bref. Ouais. Oui. Ça, c'est plein de gens qui jouent avec moi. Je me rappelle de Peter, Julien, ouais. Thomas. Enfin, voilà, quoi. Ah, c'est génial. Ah, ils ont trouvé des photos comme ça. Ah, mes grands-parents. Tes grands-parents? C'est avec qui, ta mère, ça. Ouais. C'est les parents de ta mère. Avec qui, bah, tu sais, on cohabite, enfin, tu sais, on est séparés. Enfin, tu verras demain. D'accord. Vous allez nous partager une... Enfin, ouais, vous êtes... On est une ferme rénovée, tu sais, on se partage... voilà, on a deux gros appartements, en fait. Oh, c'est génial, ça. Verra. Ouais. Donc, je suis très proche d'eux. Ils sont beaucoup occupés de moi quand j'étais bah, la période d'adolescence, tout ça. Toujours mon papy à faire le taxi, ma mamie à faire la superbe cuisine. Ah, la fameuse cuisine. Avec mon papy, je faisais plein de parties de ping-pong, je le faisais chier à chaque fois en rentrant des cours. Donc voilà, quoi, je l'ai fait suer. Eh bien. Et à quoi tu reconnaissais que c'était ses grands-parents maternels? Ouais, tu les as déjà vus, non? Non, non, parce que ta grand-mère elle ressemble à... Enfin, ta mère ressemble à ta grand-mère. C'est vrai, ouais. Il y a des airs de ressemblance. Avec ma petite sœur. Elle est belle, la photo. Ouais. Toujours pareil, petite sœur. Oh. C'est un an? Un an, ouais. T'en souviens encore? C'est vrai? C'est un an, ah ouais, c'est vrai. Oh, elle est jolie, cette photo. C'est super. Là, on a eu peur à ce moment-là, on s'est dit, peut-être qu'elle a une descendance chinoise, tu vois? Là, on s'est dit... Tu sais, quand je regarde cette photo, je me dis... Elle est bien un peu tirée, ta sœur. Ouais, mais là, je me... là, quand tu la vois là, à cette époque-là, franchement, ouais. J'ai l'impression qu'elle allait devenir bridée, quoi. Mais bien, bien. T'es le petit nez, déjà. Ah, ta sœur, ouais, là, on l'a reconnue. Ouais, ils vont la mettre de plus en plus grande, je pense. Ah, toi aussi, t'avais le... Ouais, sympa. Moi, j'ai ça, c'est la côté. T'as vu la fameuse coupe au bol? Putain, franchement. Alors ça, c'est... ça, c'est Elodie, c'est... Qu'on a vu tout à l'heure, en fait.
Non, c'est pas. Elle, c'est une amie d'un couple. C'est de très très bons amis depuis des années, quoi. Depuis une vingtaine d'années. Mais mes parents, ça c'est la fille. Elle est née, on a un mois d'écart. Ouais. Ça c'est ma cousine Sarah, la fille de mon parrain. Et puis bon, ça c'est encore ma petite sœur. D'accord. Oh, carnaval en Pierrot. Déjà en Pierrot. Ça aussi, je m'en rappelle. T'avais quel âge là-dessus? Je sais pas, je devais avoir 6, 7 ans. Excuse-moi, mais ta sœur est à droite ou à gauche, là? Oh, enfoiré. Oh, C'était horrible, hein, cette touffe de cheveux. Comment j'ai pu avoir ça, ça m'étonne. Ça va, c'est normal que les petits garçons, ils ont un peu cette coupe-là. Avec ta tête, ça allait à l'époque. Non, non, ça va. Bah, vraiment, limite, hein. Ça va. Ah, là, on commence à se reconnaître. Ouais, c'est toi, ça. La Balaruc, ça. Chez la marraine. Là, c'est la Balaruc-les-Bains, à côté de 7, chez la marraine. D'accord. Voilà. Francine. Qu'on embrasse. On va se reconnaître. Qu'on embrasse. Finalement, ça va, cette coupe. Quoi? Finalement, ça va, cette coupe-là. Tu as depuis combien de temps, cette coupe-là? Celle-là? Ouais. Je sais pas, 2 ans. Avant, t'avais quoi? Je change pas. Avant, j'avais plus les piques. Ah bah non, mais là, je me change plus. Enfin, quelques fois, un peu des fois. C'est plus comme ça. Ouais. On va se marrer. Ça commence. Je me souviens, je devais avoir 2 ou 3 ans à l'époque. Et j'avais eu droit à plein de trucs. Et l'accordéon, ça m'avait vraiment inspiré, ce truc-là. Je sais pas pourquoi m'avait offert ça, j'avais soumis. Ça a commencé déjà, quoi. Mais alors, je me souviens de cet accordéon bleu. J'ai emmerdé tout le monde avec ça. Je jouais tout le temps dans le couloir de la maison. T'as jamais joué de l'accordéon, du vrai? Non, mon grand-père, moi je joue. Mais alors, regarde la tête que j'ai, avec le peignoir vert, malheur. Et ma sœur, je jouais tout le temps ma sœur, je jouais pour ma sœur, l'accordéon bleu, je me souviens, je l'ai cassé un jour, ça fait du bien à tout le monde. Attends, on va remettre un peu en avant, parce qu'on voit bien la photo. T'as une bouille là-dessus. Ah, mais j'ai tué, ma sœur, elle mangeait les joues, petite, tellement j'avais des joues. Moi, tu les as toujours, les joues, hein. Un peu. C'est vrai. Ah, Mathieu. Ah, la boubouille. Bien, là, c'est bien. Oh là, c'est quoi ça? C'est moi ça? Je connais pas cette photo. Non, je sais pas où c'est. C'est chez moi. C'est dans la... Ah ouais, l'été. Mais comme j'ai raconté hier, il y avait l'espèce de toile orange sur le balcon, ouais. Et puis ça faisait une lumière l'été. Et je m'amusais, je montais sur les chaises. Malheur. Je ne connaissais pas cette photo. Malheur. C'est l'histoire, ça. Oh. Ah, c'est à Noël. Ah, je m'étais là, vas-y. C'est vrai que je m'étais fait mal, j'étais tellement timide à la maternelle que toute la journée, j'étais tombée par terre, j'avais rien dit. Toute la journée, le soir, ma mère m'avait vu, mais qu'est-ce que t'es fait? Malheur, c'était à Noël. Oh là là, le pénoir. T'avais pas voulu en parler avec j'avais jamais... Non, toute la journée, j'étais restée avec le truc, et le soir, ma mère m'avait dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Puis là, c'était juste avant Noël. T'es une vraie timide, toi, en fait. Ah, mais petite, c'était maladif, je parlais pas. Et je m'étais fait mal, non, je parlais pas du tout. C'est pour ça que j'étais vraie psychologue. Et non, je parlais pas, je m'étais fait mal là, au genou, toute la journée j'avais caché sous ma jupe et j'avais caché avec la mèche parce que je voulais pas le malheur, je m'en souviens. Le malheur. Excuse-moi. Et toi, tu es punaise tout le temps, chef de bois. Ouais, punaise. Ah, tu vois, là on peut voir les joues. À l'école. J'étais à l'école, c'était en fait à l'école ça, l'anniversaire. Ah, l'été chez ma grand-mère à la Bolène. Ah, déjà, on voit pas que t'es une gourmandine. T'es une gourmandine, hein. Ah, ça, je m'amusais avec ma soeur, on faisait les 11 ans. Il manquait les dents. Là, je me suis essayée à la danse classique. J'en ai fait 3 semaines. La prof de danse, elle était folle. Elle mordait les pieds quand on faisait pas bien les trucs, je te jure. Elle mordait les pieds. Elle mordait les pieds, je me souviens. Ça m'a traumatisée quand on faisait pas bien les. J'ai dû en faire 3 semaines, même pas. J'ai dit, maman, je rentre à la maison. Quoi. Tellement timide, je voulais pas aller dans les cours, ça me faisait peur, c'est pour ça que ma mère m'a mis un peu à la danse. Je parlais pas, donc il fallait me faire aller quelque part quand même. Ce qui est marrant, c'est que tu as choisi une voie comme celle-là, où il faut tout donner et se mettre à nu. Oui, c'est ça qui m'a fait du bien, ça qui m'a débloqué. C'est ça qui est... Parce que sans ça, moi j'aurais été mais à l'école, petite, je parlais pas, j'étais au fond. Et dès qu'on me demandait mon nom, le fait qu'on me demande d'écrire mon nom, j'avais peur de demander.
commencer une majuscule, oui, oui. Petite. Oh là là. Je me souviens, créer les initiales. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, initiale, petite. Ouais. Et j'ai attendu des semaines avant de demander, quoi. Ah non, c'est à ce point-là. Hein. Je me souviens, j'ai essayé 3 semaines. Le petit bidon, t'as ce qui va se passer. Oui, c'est trop mignon. T'étais timide, toi, à l'école, Greg ? À l'école ? Ouais. Quand je ne connaissais pas, ouais, mais dès que je commençais à connaître, toujours, c'est un peu comme ici, hein. Ouais, ouais. Après, je suis à l'aise, moi, après, je me lâche. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Je vais juste revenir en arrière parce que je veux revoir ça. C'est toujours dans la chambre de ma sœur. Ce que j'aime, c'est quand même la pose. Et oui. Ouais. Tout dans l'élégance, quand même. Ouais, tout de suite. Là, je me suis essayé, mais vraiment 3 semaines. J'ai mis t'enlever le tutu. C'est quoi ça ? Ah bah ça, ouais, c'est... Ah non, c'était encore avant ça. Je croyais que ça ne faisait que 3 semaines. Non, mais à mon avis, elle confond avec 3 ans. Non, non, je t'assure, j'en ai fait quelques semaines. Je suis rentrée à la maison, j'ai plus voulu y aller. Bah, allez, regarde la tête que j'ai triste là. Et j'avais déjà les bras tordus, j'étais déjà comme ça en train de vouloir faire des trucs, et puis j'arrivais pas, puis j'étais comme ça, puis malheur, dans la chambre de ma sœur, tout le temps. Ah, attends, vas-y, arrête-toi là-dessus, vas-y. Ça, c'est ma photo préférée de toute ma vie. Celle-là, je la garderai toute ma vie. C'est ma rentrée au CP, il pleuvait. On était resté dehors, vous n'avez pas averti qu'il fallait rentrer à l'école, donc on était dans la cour, il y avait un temps. Oui, c'est mon père. Puis il m'a apporté sous le parapluie pendant des... Voilà, et ça, c'est mon plus beau souvenir. De toute mon enfance, c'est cette photo-là que je retiens. Tout... C'est tout. Avec mon père, quoi. Vous avez passé un moment ensemble, tous les deux, sous la pluie, sous la pluie, on attendait, puis ma mère avait pris la photo, je ne sais plus comment, parce qu'il me portait, il pleuvait à torrent, et puis on ne m'avait pas appelé pour rentrer à l'école, j'attendais dehors. Et puis, regarde la tête qu'il a. Tu peux la remettre, ouais. Cette photo ? Puis, il voulait pas. Moi, si j'avais écouté mon père, je serais jamais allé à l'école, tellement il voulait pas nous laisser quand on pleurait avec ma soeur. Il voulait pas nous amener le matin. Hein. Il est gentil comme tout ton papa. Ouais. Regarde, comme il est beau. Regarde. Là, il me tenait comme ça, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est une super photo. En plus, quand on connaît le... Voilà. Et puis, il me tenait comme ça, et puis, il faisait souvent ça. Et puis il voulait pas me laisser. Rassure-toi, je pleurais. Ça va bien se passer. Je pleurais à chaque fois. C'est vrai ? Je pleurais, je voulais pas parler au professeur. Pendant 2 ans, avant de donner la main au maître, j'ai mis 2 ans. 2 ans. Il voulait pas me laisser. Timide, ouais. Ah, c'était maladif, maladif. Il voulait pas me laisser à l'école. Jamais. Jamais. Il voulait pas me laisser à l'école. Cette photo. Ah, ah. C'est mon père, mais c'est là que j'ai commencé avec la chanson et que je me suis vraiment la culture musicale quand il m'a fait écouter toute petite plein de trucs français, Sardou, tout le reste, et puis je m'amusais quand même ma soeur, quoi, l'été, c'est. J'ai les joues toutes rouges de l'été, là. Avec le micro. Ouais. Ah, ça, c'est. C'est ta soeur. Non, c'est moi. C'est toi ? Mais ouais. Le t-shirt, c'est qui dessus ? C'était... Mais c'est ma grand-mère, elle m'avait offert un t-shirt avec la photo, mon arrière-grand-mère avec la photo dessus. Bah, c'était moi, petite. C'est toi aussi, d'accord. Ouais. Et puis. Ah, je pensais que c'était ta sœur. Puis là, tu vois, c'est le couloir, c'est ma chambre. Là-bas, j'habite toujours au même endroit. Ouais. Au fond, là, ce qu'on voit, c'est ta chambre. Chambre. J'habite toujours au même endroit, là, depuis petite. Voilà. Eh ben, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous préparer. Oui. Parce que des gens que vous connaissez n'ont pas tardé à venir au château. Et c'est qui comme gens ? Allez vous préparer. D'accord. Arrête, c'est qui ? Pas de soucis. Je te l'ai dit. Ouais. Tu m'as dit, c'est vrai ? Je vais, non, je te prends pour un abonné. On va se préparer là. Vous allez vous préparer, ah, je pense. Moi, je suis bien prêt, enfin, je sais pas. Allez vous préparer, j'entends, allez vous mettre dans une tenue qui vous fait plaisir. Et en même temps, allez changer de pièce parce qu'ils vont préparer. Surtout, j'entends dégager d'ici parce qu'on va installer une table ici. Et préparez-vous juste peut-être à passer une bonne soirée. Oh, yes. De la bombe. Allez. Moi, je vais me faire une tête qui ressemble à quelque chose. Pour que... Je sens qu'on va être tâté. Là. Ah oui, mais tu sais que t'as moins de 3 semaines parce que pour faire une tête qui ressemble à quelque chose, il faudrait 3 semaines. Mais là, regarde. La cortisone qui. Bonjour Matt. Hey. Bonne soirée. On se retrouve à gare. Yes, on se retrouve à gare, à la gare. À gare, à gare. Très bien. Après-demain. Après-demain. Bon, moi je serai pas avec toi demain. Oui, donc demain, tu. Oui, oui.
Ah, je suis chez moi en plus. Elles sont comment, les montagnes? Elles sont à bouffer. Ah, c'est à moi qu'il faut dire ça, les montagnes. Mais moi, je vais avec toi. Non, mais c'est un code entre nous. C'est comment? Tu peux dire la mer, elle. Non, je ne veux pas voir la mer. Je ne la vois pas, la mer. Je crois que je peux boire la Méditerranée. C'était un code, c'est-à-dire que quand cette semaine, je trouvais qu'elle était un petit peu, elle manquait de niaque, je disais qu'il fallait qu'elle déplace les montagnes. Je déplace, exactement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est galant? Arrête, mais tu ne seras jamais galant, c'est pas possible. Tu ne me laisseras jamais passer une part. Mais t'es vraiment une enfoirée quand ça me connaît. J'arrête pas d'être galant avec elle. Ah tiens, attends, regarde demain. En programme. 5 heures. Tu dors une heure de plus que toi. Ah, je suis au courant. QG. C'est bien QG. Quartier généraux. Eh. On est déjà de retour à 22h. Oui. Ça va être vraiment très... Je vais vous dire une chose. Vous êtes de retour à 22h. Juste une chose, la journée de lundi, la journée de mardi, la journée de mercredi seront les journées les plus longues que vous aurez vécues de votre vie. Vous rappellerez de cette scène-là. Prenez une photo. Oui. On est devant le planning. Voilà. Et je vous rappelle juste que vous allez avoir 3 jours de pure folie. D'accord? Quand vous serez sur les rotules en train de ramper par terre pour aller d'un endroit à un autre, vous penserez à ma tronche. D'accord. D'accord. Ouais, que j'ai un peu de sommeil parce que la voix, elle ne sera pas là. On le sait, mais de toute façon, si elle ne dort pas, elle n'a pas de voix non plus. Si elle dort pas. Le seul truc, c'est que je ne parle pas de sommeil. Je parle juste de boulot. Ah, bon, c'est bon. Imaginez. Attends, ça vaut le coup, ça va éclater. On va quand même tout se dire. On va quand même se plaindre en disant, on fait quoi, on travaille trop. Surtout que toi, mon Greg, toi, tu as été quasiment en vacances pendant une semaine. Là, il va falloir remettre le moteur en route. Je sais parce que je sais ce que j'ai prévu. De... original. Quand même, on va faire un truc. Ah oui? Tu sais? Ouais. Bah, je crois savoir maintenant, je ne sais pas si on parle de la même chose. Je veux prouver que j'étais champion de France de rugby. C'est mon défi. Au-delà de ça, je parle sur le champ et sur le tout. Tu as fait un super problème avec les filles, mais il faut maintenant remettre le petit coup en plus. Ok. Parce que là, tu peux compter sur moi. C'est une échéance hyper. Enfin non, d'ailleurs, c'est même pas une échéance importante, c'est l'échéance. Attends, c'est la rendez-vous de notre vie, là. Je veux dire, on est tous les deux. Vous êtes arrivés le 3 septembre. Oui. Quand vous imaginez être tous les deux à la fin. Vous imaginez pas. Il faut continuer à imaginer, c'est pas possible d'imaginer ça. Tu l'as dans ta tête, t'as envie, mais tu peux pas t'imaginer. Enfin, tu peux imaginer. Vous y avez cru? Qu'on pourrait aller sans fait. Ça fait ce matin quand j'ai réalisé. Seulement. En finale, bien sûr. Il y a un moment où vous avez commencé à y croire. En finale non, moi j'ai commencé à y croire quand j'ai commencé à prendre mon rythme. Ouais. J'ai commencé à me donner à fond, à me fixer comme objectif d'aller le plus loin possible, quoi. Mm-hmm. Après, c'est normal, hein. Moi, c'est en demi-finale, j'ai voulu vraiment prendre le rythme, mais en finale, non. Ouais. Non. J'avais envie, mais de là. Arrête. Elle est toujours du violon. Mais arrête de me dire ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, on va se descendre demain, qu'est-ce qu'on va s'éclater, lui. Et déjà ce soir, je pense que vous allez passer. Je pense une chose, c'est que profitez de la soirée de ce soir, parce que les 3 jours qui viennent. Oui, d'accord. C'est une chose. Donc ce soir, on s'aère, ok? Oui, okay. Viens, on va. Allez. J'avais un parapluie. Ah, j'ai pas de capuche, hein? Ah oui, j'ai pas vu. Pardon. Ciao les amours, bonne soirée. Bisous. Merci. Viens. Allez, Marseille! Oh non! Je l'ai dit une fois. Fini Marseille. Pense à Nice un peu. À demain et en forme, Mathieu! Ciao! Bon, j'arrive, Rudy. C'est Nordine? Oh, je vais lui dire bonjour. Eh, il faut que je trouve le moyen d'aller en régie. Hein? Il faut qu'on trouve le moyen d'aller en régie. Non, non, non. Mais si! Avant mercredi, je veux y aller avant mercredi. Mais non, après, ils ont pas d'image. Laisse tomber. Mais une fois, comme non, ça. Non, Mathieu, à toute seule. C'est un lâcheur, hein. C'est pas rien, c'est que... Voilà. Moi, je trouve ça bien comme ça, hein. Moi aussi. C'est bien. J'ai juste me refaire une tête. Parce que là... On a bien se marier, ça. Ah ouais. C'est à mes parents, mais un truc de fou. Les deux en même temps. Ah, mais c'est clair. Les parents ensemble, je crois que c'est bon. C'est pas vrai, hein.
qui vous manque. Ça m'étonnerait un peu. Là, c'est une surprise. En tout cas, non, c'est une surprise. C'est une petite sœur. C'est pour les gens. Bah, c'est chaud, bah, ils sont froids, quoi. Hein? On a les mêmes schémas. Les parents, la sœur. Allez. Bon, oula. Je te jure, là, j'ai... Oh, t'as faut que j'amène ces cadeaux là. Enfin. Et je suis sûre qu'il me manque des paquets à toi. Tu le regarderas encore? Non. Quoi non? Non, non, il en manque pas ou non tu veux pas regarder? Il me manque à moi? Non. Ce que je t'ai acheté moi pour toi, il t'en manquer. Non. Si. Hein. Enfin, je vais vérifier, mais je pense pas. Derrière, c'est comment? Ondulé comme d'hab. Ah, je manque trop facile. Ah oui, excuse-moi, je suis désolé. Il est parti, il est parti. Chut, s'il te plaît. Quoi? T'as une interview là? Ah non. Eh si, go, oh, tout de suite, allez. Oh mais tourne, on est sûr que tu réveilles. Allez, on se réveille. Allez, ah. C'est parti. Eh, hey, tu sais quoi? T'es une comédienne. Oh putain, ne me dis pas ça. Tu es une comédienne. Ah, oh, mais je t'ai pris une gifle. Vas-y, mets-moi une gifle. Vas-y, vas-y. Aïe, j'ai tapé contre le bout. Allez, dépêche-toi. Ça t'apprendra de mettre un coup de genou sur le nez tout à l'heure. Oh, c'est toi qui es venu. Hein? C'est toi qui es venu. Allez, go. Parce qu'après, on n'est pas parti encore. Et ça va, l'interview, elle va durer encore une demi-heure. Oh, t'es violent. Non, tu sais quoi? C'est quoi, t'es une comédienne? J'ai horreur des comédiennes. C'est vrai? Oui. Ah voilà, tu... Hey. Dis-moi encore une fois que je suis une comédienne, je te mets une gifle pour du vent, là, tu vas comprendre que c'est pas une vraie. C'est une vraie comédienne. Tu me cherches. C'est pas possible. Hey, tu fais quoi? On perd du temps, là. Arrête, tu me fais mal. Arrête de me chercher. Allez, imagine-moi. Quand on me réveille comme ça, mais je suis une horreur. Je me demande pourquoi je parle encore. Je te souris, je te parle, alors tu pourrais te mettre des droites. Pourquoi j'ai pas droites. C'est vraiment taré, toi. Mais non, mais tu comprends pas. Arrête, tu refais ça, t'arrêtes. Toi, ça m'énerve. Je viens d'interview. Bah voilà, c'est ça que je voulais. Tu m'as fait mal. Allez, arrête, t'es chiante, là. Allez, va l'interview. Allez. Putain, on a pas que ça à faire, là. Moi, j'ai pas envie de me coucher à du pauvre. Allez, go. Nordine, si tu m'entends, on n'y compte même pas. Je il fait « Va réveiller ton prince charmant », je suis vrai. Non, on est de 22 derniers chacun, mais pour le coup, je... ouais. Tu comptes dormir dans mon lit, là. C'est sympa. Oh, c'est cool. On dort un peu, on a le temps. Non. Tu te dis ça? Ouais. Combien de temps? Remettre vos micros et changer vos piles également. Merci. Je peux pas mieux chercher les piles, c'est pas la peine. Quoi? Je vais chercher les piles. J'en suis pas. Je sais, ça me perdra.
Oui.